année 2017 à tous nos braves paysans d'Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour parler d'agriculture. Pour ce faire, nous vous emmenons dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. Comment faire pour avoir une bonne plantation, une bonne production en matière d'anacarde? Que faut-il faire également pour lutter contre les insectes ravageurs? Vous voulez en savoir davantage? Suivez-moi. Suite à la réforme de la filière anacarde engagée en 2013 par le gouvernement ivoirien, il a été prévu 6 axes stratégiques, dont celui relatif à la recherche sur l'anacardier en Côte d'Ivoire. Pour mettre en œuvre cette recommandation de la réforme, un contrat de prestation de service a été signé entre le Conseil du coton et de l'anacarde et le laboratoire de physiologie végétale de l'Université Félix Houphouët-Boigny en septembre 2014 dans le but d'inventorier les parasites, les maladies et les insectes ravageurs en vue d'élaborer la carte sanitaire du verger d'anacardier, de mettre en place un système de veille sanitaire et de proposer des méthodes de lutte efficaces contre ces ennemis de l'anacardier. La coordination du projet est assurée par le Centre africain d'excellence sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, CACCBAD. Un système de veille sanitaire sera mis en place, identifiant dans chaque localité une parcelle qui fera l'objet d'une épidémiosurveillance en vue d'apprécier la sévérité des attaques d'une part et d'autre part l'apparition de nouveaux bio-agresseurs, notamment les maladies émergentes signalées dans d'autres zones de production. Les zones susceptibles d'être des portes d'entrée des maladies ont été identifiées en collaboration avec l'ANADER et aussi les chercheurs du Conseil du coton et de l'anacarde. Ces zones serviront de postes d'observation pour la surveillance phytosanitaire. À ce jour, 20 postes d'observation ont été identifiés. La ville de Korogo est la deuxième ville à accueillir cette formation et elle s'adressera à 20 conseillers agricoles spécialisés sur l'anacardier de la zone nord de la Côte d'Ivoire et 2 représentants de la coordination nationale. Les conseillers venaient des plantations sur les frontières du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et de la Guinée. Monsieur Soro Clotioloma, coordonnateur adjoint des filières coton, anacarde et de la foresterie de l'ANADER, partenaire au projet, a tenu à dire aux conseillers d'être très attentifs. Pour le professeur Kone Daouda de l'Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences et coordonnateur du projet Carte Sanitaire, chaque formation répond à un défi, celui de répondre à la question de comment faire pour que le verger anacardier soit protégé de façon durable. La formation théorique a été dispensée par Dr Soro Sibirina de l'Université Jean-Laurougnon-Guédé de Daloa. La formation a consisté en des démonstrations théoriques en salle pour mettre à la disposition des conseillers les informations requises et les fiches de collecte des données. Toutes les maladies présentes en Côte d'Ivoire et celles qui sont absentes ont été présentées en mettant l'accent sur celles qui sont présentes. Comment reconnaître un arbre atteint? Comment reconnaître les insectes ravageurs, etc. Des exercices ont été effectués pour renseigner avec eux les fiches. Les conseillers, très motivés, ont posé des questions tour à tour pour mieux comprendre ces enseignements. Avant les phases pratiques, certains conseillers ont donné leur avis sur la formation théorique qu'ils ont reçue. À l'issue de cette formation, nous avons pu retenir les différentes maladies de l'anacardier. Nous avons également pu reconnaître les différents ravageurs de l'anacardier et je pense que ce thème est tellement d'actualité que ça va nous permettre de, en tout cas, pouvoir lutter efficacement ou faire vraiment l'entretien dans tous nos vergers en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus ici à une formation à Korogo pour voir les maladies qui se trouvent dans les anacardiers et comment il faut les traiter pour que vraiment les paysans puissent en sortir quelque chose de leur du labeur. À l'issue de cette formation, j'ai pu retenir comment reconnaître les maladies et les insectes ravageurs de l'anacardier. Et cela me fait énormément plaisir, parce que nous avons pu avoir aussi quelques méthodes de lutte contre ces maladies-là. Donc vraiment, je suis véritablement contente. La formation s'est poursuivie de façon pratique dans un champ d'un producteur de la région. Sur place,
Les conseillers agricoles ont été scindés en 4 groupes de travail. Chaque groupe a essayé de restituer tout ce qu'il a appris. Bon, là, on a les boursouflures de feu ici. Ils sont certainement dus à des piqûres d'insectes tels que l'Héliopeltis. Donc, cela nous a tout de suite interpellés. Donc, nous sommes appelés d'eux pour noter beaucoup sur ce qu'on vient de voir et fournir un rapport un peu plus tard. Est-ce que vous voyez que des boursouflures? Pas d'autres choses que vous voyez en envers. Qu'est-ce que vous voyez encore? Bon, on voit qu'il y a une réaction après sur les feuilles. Nous constatons des taches noires sur les feuilles. Bon. Ces taches noires là peuvent être causées par quoi? Non, par la piqûre. C'est une insecte. Pas forcément la piqûre. Les taches noires, c'est les symptômes d'anthracnose qu'on voit. Ils estiment que cette formation est plus qu'importante parce qu'elle va permettre de protéger la production nationale. Comme vous le voyez, nous sommes sur le terrain. On fait une visite de distinction des maladies, puis relever aussi quelques maladies. Nous avons vu la gommose qui crée des dégâts sur l'arbre et entraîne la disparition totale de l'arbre. Et nous avons vu aussi des insectes aussi. Sur les feuilles, dans les mineuses, qui créent aussi pas mal de dégâts et bien d'autres. Il faut dire que cette formation est bien tombée dans la mesure où, en Anacardia, nous n'avons pas encore de traitement chimique pour nos produits. Ainsi, si nous détectons tôt les maladies et les ennemis, non seulement on peut les circonscrire et on peut en même temps suivre l'évolution et la lutte pourra être efficace. Cette formation nous a permis de comprendre comment détecter toutes les maladies, les ennemis de l'anacardier, afin de mener à bien cette veille sanitaire-là. Les formateurs, quant à eux, se sont assurés du bon déroulement de cette formation. Ici, il est question de former les 20 agents conseillers de l'anacardier sur les stratégies de lutte au niveau de la carte sanitaire de l'anacardier et aussi remonter la méthode d'évaluation et de veille au niveau des vergers des producteurs. Donc la technique a consisté d'abord à leur présenter une fiche technique d'observation de relevé au niveau des plantations qui traite des maladies, surtout les maladies majeures telles que l'anthracnose, telles que la bactériose, telles que le dessèchement des fleurs et des bourgeons floraux et la gommose. La gommose qui est une maladie qui prend le tronc et qui entraîne souvent la mort de l'arbre. À côté de ces maladies, nous avons relevé aussi le cas des insectes ravageurs tels que le ciseleur, communément appelé le menuisier ou le ciseleur, c'est-à-dire Analeptes trifasciata, le boreur appelé par les producteurs l'insecte à tête noire qui est appelé Apathe terebranthe. Et à côté de lui, on a aussi Héliopeltis anacardii, qui est un insecte qui attaque surtout au niveau des bourgeons floraux et des jeunes feuilles et qui provoque la boursouflure des feuilles, qui provoque une perte au niveau de la floraison et de la fructification, puisque c'est un insecte aussi qui pique les jeunes fleurs, aussi bien les jeunes noix qui sortent, et du coup la maturité physiologique de la noix est remise en cause. Il y a à côté aussi le cas de Pseudotherapsus devascens, qui est un insecte aussi piqueur succès et qui provoque aussi une grande perte au niveau de la production chez le producteur. Il faut noter que les zones susceptibles d'être des portes d'entrée des maladies ont été identifiées en collaboration avec l'ANADER et aussi les chercheurs du Conseil du coton et de l'ANACARD. L'ANADER a été identifié pour assurer le conseil agricole dédié aux producteurs d'ANACARD. Donc à ce titre, depuis 2 ans, nous assurons le conseil agricole aux producteurs. Et ce conseil agricole concerne principalement les techniques de récolte et opérations post-récolte, les techniques d'entretien et les techniques de création de plantations. Depuis 2 ans, nous formons un certain nombre de producteurs. Nous sommes très rassurés que les agents ont été bien formés et nous sommes confiants que ce travail sera fait selon la stratégie qui a été mise en œuvre pour que l'anacardier se porte bien pour le développement de la filière anacard. Cette formation fait suite à la carte sanitaire de l'anacard
qui a été élaboré par l'université Félix Houphouët-Boigny suite à l'attaque du verger par les maladies et les ravageurs. Au total, 13 maladies ont été identifiées, dont 3 majeures et plus d'une soixantaine de ravageurs qui ont été identifiés, dont également 3 majeurs. Donc l'objectif de la formation ici, c'est de former les agents de vulgarisation de l'ANADER qui sont proches des villes frontalières afin d'éviter l'attaque du verger par des ravageurs ou maladies qui pourront venir de ces pays-là. Donc l'objectif, c'est en cas d'attaque, de lancer une alerte pour que déjà les chercheurs puissent prendre leurs responsabilités. C'est de mieux protéger le verger de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Le coordonnateur du projet Carte sanitaire, professeur Kone Daouda, souligne l'importance de ce projet. Nous sommes à une étape très importante. Après avoir fait l'évaluation de toutes ces maladies dans les conditions contrôlées, il s'agit maintenant de passer à une étape très importante, qui est certes la fin de ce projet, mais le commencement d'un processus très important qui va constituer à toujours faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui occupe le premier rang mondial en termes de production de noix de cajou, puisse maintenir ce cap-là. Et en plus, le Conseil du coton et l'ANACARD fait beaucoup d'efforts pour insérer au niveau des vergers des variétés performantes. Donc, il faut protéger ces variétés en mettant en place un système de veille sanitaire. Nous savons que dans le verger, il y a beaucoup de maladies qui sont déjà signalées, il y a beaucoup d'insectes ravageurs qui ont été déjà signalés. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des maladies encore très importantes. Nous avons la fusariose qui s'est récemment déclarée en Tanzanie. Nous avons d'autres maladies très importantes, notamment la bactériose qui fait beaucoup de ravages dans certains pays à côté de chez nous. Et il est très important que nous protégeons notre verger. En plus, il est aussi important que nous voyons au sein même des zones où les maladies sont signalées, comment éviter que ces maladies explosent, qui est aussi une évolution exponentielle de ces maladies dans ces zones-là. C'est tout ça qui nous pousse à mettre en place ce système de veille sanitaire en formant déjà tous les conseillers agricoles qui sont situés dans les zones frontalières et qui va être étendu avec l'appui du conseil à d'autres personnes, ressources qui pourront assurer la surveillance épidémiologique. Il a tenu à remercier le Conseil du coton et de l'anacarde et l'ANADER, partenaires au projet, et tous ceux qui participent à la mise en œuvre de ce projet. Je voulais, avant de terminer, remercier le Conseil du coton et de l'anacarde qui a bien voulu confier cette responsabilité importante à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Remercier tous les acteurs de la filière, le FIRCA, le CNRA, tous ceux qui ont contribué à donner, à mettre à disposition les données, l'ANADER surtout, qui met à disposition tous les conseillers agricoles ainsi que mes collègues qui ne sont pas là. Je citerai le professeur Abou Kouabena, le professeur Walim Gouran-Morissette et tous les autres collègues qui ont contribué énormément à la collecte d'informations sur les sites et qui nous ont aidés à mettre en place ce système. Une restitution des travaux a été faite par les différents groupes. Par la suite, des diplômes de participation ont été décernés aux différents conseillers. Il faut noter que le suivi sera assuré par l'équipe de l'université sur une période de 3 mois après la formation pour s'assurer que le mécanisme de collecte de données et la remontée des informations se font conformément aux dispositions prises. Le conseil du coton et de l'anacarde devra, avec l'ANADER, assurer la relève de la collecte des informations au terme de ces 3 mois de suivi. Je me nomme Lydie Kambou-Rachel, présidente de la société coopérative des productrices du karité, de l'anacard, du soumara de la région du Bunkani. Voilà. Donc nous nous battons, nous femmes du Bunkani, nous nous battons depuis 10 ans pour valoriser ce que nous avons comme produit agricole dans la région, dont l'anacard. C'est ce qui explique ma présence ici aujourd'hui, où je présente au CIETA la sauce à partir de la pâte d'amande de cajou. Tout le monde connaît l'amande en cacahuète, qu'on mange. Mais beaucoup ne savaient pas qu'on en fait de la pâte que vous avez ici en face de vous. Donc à partir de cette pâte, nous avons une sauce faite de manière naturelle,
sans ajouter d'huile végétale, voilà. Parce que notre combat aussi, c'est de proposer des plats bio. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de pouvoir changer les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, le résultat, il est là. La maladie, il y a trop de maladies en ce moment. Donc, nous, on se bat pour proposer des mets bio, des mets préparés de manière naturelle, voilà, au peuple, à la population. Donc, cette sauce-là, on peut l'accompagner de foutou igname, foutou banane, du riz, vous pouvez manger. C'est la famille des pistaches, de l'arachide. Donc, vous avez aussi la pâte des amandes de cajou. Et qui est d'ailleurs, il faut en faire le premier choix. Parce que dans l'amande de cajou, vous avez beaucoup de minéraux, de vitamines. Vraiment, c'est bon et c'est digestif. Les JNVA sont des journées dédiées exclusivement au secteur agricole et un forum de rencontres entre tous les acteurs du secteur. Elles sont dénommées Journée nationale de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et forestières. Les JNVA 2016 avaient pour thème l'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable. Au cours de ces journées, il s'est déroulé plusieurs activités, entre autres la parade carnavalesque, le défilé des braves paysans, des expositions, le déjeuner champêtre et surtout le planting. En effet, l'équipe de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, avec à sa tête sa présidente Jennifer Cérès, accompagnée des autorités de la ville et des partenaires, dont le groupe Agronomix, ont chacun planté un arbre. Pour le président du conseil régional de San Pedro, Beugré Donatien, ce geste est à saluer et à exhorter chaque Ivoirien à planter son arbre, quel que soit l'environnement où il se trouve. Il faut également noter que l'une des innovations dans les activités de ces JNVA est le marathon, preuve de l'alliance entre le sport et l'agriculture. En effet, comme beaucoup d'autres sports, la course à pied favorise le renforcement des chaînes musculaires et aide à terme à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, AVC. Une pratique régulière permet également de tonifier le corps dans son ensemble. Le running est aussi un moyen efficace d'accompagner et de réguler une perte de poids volontaire et d'affiner la silhouette tout en diminuant la masse grasse. Vous le constatez, les JNVA, c'est également le sport, le bien-être des populations et la communion. Donc là, pour la 6e édition, nous avons introduit cette grande innovation et nous pensons que cela va se poursuivre dans les éditions à venir, parce que ça permet véritablement d'échanger sans protocole avec tout le monde, vraiment tout le monde, les enfants, les plus grands. C'est cela également les JNVA, être ensemble, échanger, partager nos expériences. Les braves paysans ont été bien heureux d'y participer. Je remercie ma fille Jennifer, une femme, brave femme. Elle a nommé vraiment son émission Brave, brave paysan. Elle-même, elle est brave. Elle travaille très bien. Et je suis très, très contente. Où je vous parle avec la joie. À mon âge, aujourd'hui, je cours comme ça. Et juste quand je suis parmi ceux à qui on doit donner les cadeaux, c'est que vraiment, on remercie cette dame. À travers aujourd'hui, le monde entier nous connaît, surtout nous les hommes, nous les paysannes aujourd'hui. Tout le monde nous connaît. Les impressions sont très bonnes. On encourage ce genre d'action parce que nous sommes dans la production agricole et la production agricole a besoin d'un maintien. Le maintien sportif, ça fait partie des éléments de la santé. Donc grâce à AVA, on a connu cette journée. La 6e édition a occasionné le sport. Je crois que les autres éditions vont suivre. Et là, au lieu de 2 km, ça sera 42 km puisque je suis un ancien marathonnier. Je sais de quoi je parle. Et le sport, c'est la santé. Le sport, c'est rassemblons-nous. Le sport, c'est d'aller en avant. Certains partenaires ont tenu à saluer cette action de AVA. Cette année, nous sommes partenaires avec AVA comme d'habitude. Et nous pensons que AVA, ils ont eu cette bonne idée de valoriser
l'agriculture qui est non seulement le pilier de notre économie au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette année particulièrement, il y a eu cet événement, c'est-à-dire le sport. Le sport, nous, en tant que concessionnaires automobiles, nous encourageons le sport au niveau de notre entreprise. Nous aimerons que les années suivantes soient encore meilleures. Ça a été une très belle fête et nous remercions la présidente toute particulière. Ils ont offert de nombreux lots aux différents braves paysans. La demande mondiale de cacao s'est accompagnée au cours des dernières années d'une évolution des exigences des consommateurs. Les organisations non gouvernementales, ONG, ont alors édicté des normes regroupées sous le vocable de cacao certifié à l'effet de les satisfaire. Ce cacao est le résultat d'un ensemble de règles de production qui doivent respecter les exigences du développement durable. Dans cette optique, l'usage de la certification est devenu une nouvelle approche de durabilité dans la filière cacao qui permet un accès privilégié des exportations au marché international. À la fin des années 2000, la certification de masse dans la filière cacao gagne de l'intérêt et de l'ampleur. Ainsi, plusieurs bureaux de certification se sont installés en Côte d'Ivoire. La dernière en date est OUTS, une grande organisation qui vient d'inaugurer ses installations au bord de la lagune Ébrier. En effet, une belle cérémonie à laquelle ont été conviés tous les acteurs du monde agricole en général et du cacao en particulier a été organisée pour présenter le nouveau bureau de OUTS en terre ivoirienne. En présence de l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire et de plusieurs autres personnalités, le représentant régional de l'Afrique de l'Ouest de cette organisation, M. Siriki Diakité, dans son allocution, a tenu à remercier toute l'Assemblée et a souligné que la présence de OUTS sera d'un apport considérable pour les producteurs ivoiriens. Alors pour ce qui concerne la représentation, nous travaillons à faire en sorte d'être en très proche collaboration avec l'ensemble des partenaires du milieu qui interviennent dans la filière cacao, à savoir le gouvernement ivoirien, mais aussi les structures de recherche, les structures de formation des producteurs, les ONG qui ont des intérêts dans la filière cacao, mais aussi avec l'industrie, qui est une partie prenante importante pour notre programme, et aussi les producteurs et leurs organisations. Pour soutenir les producteurs, nous leur apportons essentiellement de la formation. Donc en moyenne, chaque mois, nous avons une formation que nous organisons ici en Côte d'Ivoire. Nous allons les voir dans les champs, dans leur milieu de vie, dans les villages, pour discuter avec eux de comment est-ce que l'implémentation de la certification OUTS se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui marche bien, mais qu'est-ce qui aussi se présente comme des défis pour eux et comment nous pouvons mieux les servir. Et pour ce qui concerne les projets et les innovations, nous regardons au-delà de ce que nous faisons en termes de certification classique pour pouvoir, par exemple, digitaliser les données que nous collectons sur le terrain à travers des applications pour faciliter aussi la collecte et l'exploitation donc, de ces informations techniques. Lui emboîtant le pas, le directeur exécutif a réitéré leur engagement de coopérer avec tous les acteurs afin de fournir un travail de qualité. Il s'est dit fier d'être dans le plus grand pays producteur de cacao au monde. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture du bureau de OUTS à Abidjan parce que cela marque un moment important dans la courte histoire de notre organisation. Nous formons les producteurs et travaillons ensemble avec les organisations qui contribuent à l'amélioration des bonnes pratiques agricoles. Nous suivons le cacao depuis sa zone de production jusqu'à ce qu'il puisse arriver au supermarché. Je suis très heureux de pouvoir compter sur ce que nous faisons ici en termes de collaboration dans ce pays. C'est dans une belle ambiance après la présentation des locaux qu'a pris fin cette cérémonie. C'est déjà la fin de ces 26 minutes. J'ai été très heureuse de vous retrouver et de vous présenter cette émission. Pour vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous voulez participer à cette émission? N'hésitez pas à nous appeler. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Nos partenaires et sponsors sont attendus sur cette émission de 2017 afin de contribuer à l'émergence effective de notre Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. À très vite.